Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. On est sur Railway Empire. On avait un réseau qui marche bien. Il nous manque encore un poil de population et de villes, mais ça va être relativement facile. Et on devrait s'en sortir. Alors, lui, il voudrait une liaison rapide. Je pense qu'on va pas la faire. C'est Carlson City où on a des soucis. Je me rends compte que le son du jeu est un peu trop fort quand je rentre dans les villes chez PC. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on leur apporte? Du sucre, du lait, du fromage. Ferme céréalière. Je vais pas l'utiliser celle-là. Gold Beach, ça monte, c'est bien. Je crois qu'il leur manque aussi de la viande. Ouais, on est très léger en viande. Et il leur manque du blé. Ah. Ça, c'est deux choses relativement faciles à ajouter. Fizoup. Ah, une section qui va pas, ouais. Hop, sens des voies. Et ensuite, une manoir Carlson City, j'en veux deux. Concernant l'alimentation, le fait qu'on amène de la viande, je me demande, on produit 31, on demande 16, donc c'est un vrai problème d'approvisionnement depuis l'élevage. Je me dis que on a 150 stocks dans l'élevage. C'est vraiment un problème de nombre de trains. Sachant que là j'en ai déjà 3 et ça occupe un peu déjà tout. Donc on va refaire une gare. Ah, est-ce que je peux la mettre de l'autre côté tout en utilisant le... Non. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ils en ont déjà 3 chacun. Peut-être que sur cette ligne-là, on peut en rajouter un. Je sais pas trop comment je vais me dépatouiller. Je peux pas augmenter la taille de l'entrepôt. C'est quand même bien pratique de tout faire passer par un entrepôt. Le truc, c'est qu'après, j'ai plus suffisamment de train pour tout prendre. Toc toc toc. J'irais bien chercher coût de transport des marchandises. Là, on a pas mal de monde. C'est bien rentable aussi. On va en rajouter un. Sachant qu'ici, on sature pas encore. 0%. Ah. Il n'y a pas un autre point qui produit du bœuf à proximité. C'est pas grave parce qu'il produit tellement beaucoup que je devrais pouvoir arriver à tout faire fluctuer. Alors, je sais pas trop comment je peux faire ça. Sachant que eux, il faut absolument qu'ils débouchent sur le même entrepôt. En revanche, ce que je pourrais dire, c'est tous ceux qui approvisionnent. Alors, Zipac, tous ceux qui approvisionnent, vous venez vous mettre sur le même. Puisque, a priori, c'est pas trop peu. Non, j'ai besoin de le garder quand même. C'est pas trop peu qui ont des soucis. 58, 0. Et du coup, j'ai 3 voies et je peux dire à l'un des deux, je sais pas qui, il tourne 99% pour l'instant. Ah,
Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est. Je l'ai 196. 83. Ok, 83, c'est encore raisonnable. On va attendre que le train soit parti. Hop. Je demande à eux de partager cette voie-là et cette voie-là avec un zigzag. Je suis en train de me dire que ça va pas suffire. On va devoir virer ça. On va les faire les plus proches possible et. Ou alors. Je fais un grand entrepôt poste d'aiguillage. Carrément. On va tenter le coup. Donc les gens sur cette ligne. On verra si ça marche mieux. J'espère un peu mieux. Oups, non, pas cloner, je vais les supprimer. L'une de vos villes reliées a atteint une taille décente. Ah, bah j'ai réussi finalement. Bon, pour l'expérience scientifique, je vais quand même faire un truc que je ne fais jamais. Ah, le truc c'est que j'ai du stock. Ah, j'ai juste du stock de maïs. On va dire que c'est. Ça vaut pas la peine de le conserver. Hop. On va juste attendre qu'il se décharge. Pas perdre le déplacement. Hop, l'entrepôt. Du coup, il y a encore une voie qui est utilisée. Parker ferme entrepôt. Ensuite, je vire l'entrepôt. Je vire la liaison quand même, grosso modo. J'ai coupé un peu loin pour lui, bon c'est pas grave. Toc toc, je refais un grand entrepôt avec poste d'aiguillage. Si j'arrive à le placer en fait. Il n'a pas l'air de vouloir se laisser placer. Là, le souci c'est qu'il touche. Ah, je crois que j'ai vu le souci. Je vois le souci. Le souci, c'est qu'il y a trop de dénivelé ici. Que ça lui plaît pas. Peut-être fait une bêtise. Donc en fait, j'arrive pas à glisser un entrepôt avec un poste d'aiguillage. Lui non plus. Je sais pas trop comment je vais me dépatouiller maintenant. Donc ce que je pourrais faire, c'est faire une gare. Pourquoi gare de maintenance? Gare, pourquoi pas avec poste. Sauf que ça veut pas. Alors, ce que je pourrais faire, c'est une gare pour ça, ou une grande gare, rien que pour le bœuf. Voilà. Je pourrais même faire deux gares séparées. Une spéciale pour San Francisco, une spéciale pour l'autre, mais on va pas se casser la tête à ce point. On va mettre une grande gare. Et ensuite, on va mettre un grand entrepôt pour le reste. Puis voilà. Le plus loin possible.
Du coup, l'entrepôt, on va l'alimenter. On va rester sur de l'alimentation sur deux lignes. Puis voilà. 2, 4, raisonnable. On va remettre les signaux. On va aller piocher là. Et du coup, au d'élevage, je peux faire un truc un peu magique. Alors, je vais pas, ça va pas m'aller le train parce que j'ai pas le pont parce que je vais pas pouvoir mettre de comment ça s'appelle de changement de ligne. Ah mince, je l'ai pas construit comme je voulais. Donc, on va se mettre sur les deux lignes qui débouchent. Comme ça. Là, on va faire une section de voie en commun. Ouais, parce que si je fais pas de section de voie en commun, de toute façon, je pourrais en faire circuler que deux. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ok, et l'autre, il va avoir accès aux deux autres. Comment on va faire ça? Déjà un sens de voie. Est-ce que je peux faire un croisement là? Non. Ah. Bah pour l'instant, on va le laisser sur une seule. Voilà. Ici, on impose un sens sur cette petite section là, on impose un sens. On va mettre des trucs comme ça par exemple. Hop, un sens sur cette petite section là. Et roule. Ah mais non, pas tout à fait. Ah, je suis en train de me rendre compte. Il faut aussi que je connecte ce bout-là. Comment on va faire ça? Je pourrais faire sauter cette ligne-là et cette ligne-là. Pour l'instant, pourcentage d'utilisation. Il y a une voie qui est même utilisée à zéro. J'aimerais bien les mettre là. Parce que c'est une voie qui est très utilisée. Pas terriblement. Donc du coup, ici, on recommence. Alors attendez, tchac tchac tchac, on va tout refaire. Donc je voudrais me brancher ici, sans pont, autant possible, en longeant l'autre. Là, même chose. Et le troisième. Je suis peut-être pas obligé de faire deux voies d'ailleurs. Hop, je sais pas comment. On entend un truc comme ça. Oups, oups, oups. Mauvais point d'accroche. En s'accrochant. Ici. Ok. Ensuite. Ici, on a du sens unique.
Ici, en refaisant la voie, j'ai cassé un sens unique, c'est pas grave. Pourquoi il veut pas mettre des intersections? Au fur et à mesure, je ne sais pas. Ok. Ensuite, de ce côté-là. La voie est découpée. Et ensuite, cette voie a double sens. Si ça se trouve, j'ai pas besoin de faire autre chose. Il faut que je raccroche encore lui. Alors, c'est l'autre. Oups. Lui, là-bas. Je ne sais pas comment il était connecté. Ah bah, il n'était pas connecté du tout. Je vois. Alors, je sais ce que je vais faire. On va dire que d'ici, on va se raccorder là-bas. Des voies qui ne sont pas encore utilisées. Ici, on va se raccorder ici. Pas mettre le point entre les deux. Voilà. Ok. Là, j'ai fait deux voies d'arrivée. On redécoupe. Je pense qu'on est bon sur la connexion. Donc on va refaire les trains par étape, en commençant par dire ce qui amène. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, ceux qui transportent dans les villes. Donc ça, j'en voudrais un paquet. Et il y a ceux qui vont transporter dans l'autre ville. Ah, ça c'est pareil. J'espère juste qu'ils ont la bonne ligne. Et puis, quand ça s'est déchiré sur les conflits de l'esclavage, ça va finir en guerre, ça. Et de ce côté-là, j'ai que deux lignes. Enfin, j'ai deux lignes. Alors, je suis pas persuadé que les faire rouler chacun de leur côté, ce soit la meilleure option. Je serais plutôt partant pour dire chacun débouche où il veut. Avec des signaux, on impose un sens. Ah mince, j'ai fait deux fois du même sens. Voilà. Donc niveau signaux, c'est bon. On va faire des trains qui vont faire roue d'élevage San Francisco. Ça, j'en voudrais un paquet. Ah, j'aurais dû modifier tout de suite. À roue d'élevage, je prenais la voie 1. Bien. J'ai les deux à régler. Et à San Francisco, vous prenez cette là, pourquoi pas.
Mot d'élevage San Francisco. Ah, c'est réglé le 2, j'ai pas réglé le 1. Niveau voie, à bout d'élevage, vous restez voie 1 et à San Francisco, vous prenez la voie 3. Hop, nouveau train. Haut d'élevage, San Francisco. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié. Alors, vous prenez la voie 2 et la voie 3. Et j'en veux deux comme ça, au moins. Aucune marchandise. Ah, j'ai oublié de dire ce qu'on stockait. On stocke du maïs, on stocke du lait et du sucre. On stocke autant que possible et roule ma poule. Il me manque les trains sur cette voie-là. Donc deux. Et je pense que... Non, ici c'est bon. Ah, mais ils transportent rien pour l'instant, c'est pour ça qu'ils sont pas rentables. Parce que l'entrepôt était vide. Haut d'élevage Sacramento. Locomotive. Eux, ils ont une seule voie d'arrêt, une seule voie de départ. Donc on va juste, oups, en mettre 4 comme c'était avant. Pour l'instant, l'entrepôt, ils sont pas bien contents parce qu'ils ont pas de marchandises. Ah, voilà du maïs qui arrive. Ok. Je pense que j'aurais plus besoin d'y retoucher jusqu'à la fin de la partie. Le flux de marchandises le plus important, c'est les bœufs, qui sont très demandés à San Francisco et à Sacramento pour faire de la viande, qui alimente un peu tout le monde. Donc les trois autres, ça me paraît cohérent de les mettre ensemble. J'ai mis combien de monde sur cette ligne? 4. Et pour l'instant, ils sont tous très rentables. Sauf le dernier qui n'a pas encore fait un trajet complet. Là, j'en ai mis 4 aussi. On ne sait pas s'ils sont rentables ou pas. Il me manque des tours d'assemblage. On va en mettre une ici. Une là. Je pense que c'est bon. J'ai 15 millions. J'ai pas grand chose à acheter. Je pourrais acheter des sociétés pour gagner encore plus, mais moi, quoi faire? Ah, on peut faire un bâtiment ici. On fait déjà des robes là-bas. On pourrait faire des fromages, tout simplement. On est alimenté en lait. Ou alors, je demande à San Diego de faire du fromage. Non, on va mettre la fromagerie à Los Angeles. Et dans leur élevage, ils se jettent sur une voie double. Ouais, donc on va doubler leur intersection à eux, leur section de voie propre, mettre des signaux. Hop, je vais pas le détruire, je vais juste en mettre un autre. Juste le mettre dans un sens unique. Hop. C'est bon, et on va augmenter pas mal le nombre de trains. Le truc, c'est qu'ils débouchent probablement sur la même voie. Ça n'a pas l'air gênant pour l'instant. Ok. Los Angeles. Ils ont passé le cap. Ville qu'il faut que je fasse grandir. Maintenant, c'est Kingman. Qui a besoin de fruits, de légumes. Pas de fromage. Ils ont besoin de lait par contre. On peut aller tirer leur lait là-bas. Est-ce que ici c'est un entrepôt? Je crois pas. Il circule plein, on dirait. Est-ce qu'il manque de bœuf ou de coton? Non. Maïs, il circule pas plein. On va demander. Non, c'est pas la bonne ligne. Sur la ligne de maïs. On va leur demander de ne pas quitter le maïs. Jamais ils n'ont pas beaucoup de monde. De façon à ce que la voie soit pas trop chargée. Et que je puisse faire venir du lait.
Voilà, ça fait un beau pont. C'est pas très grave. Ensuite, vous partagez la voie sur la ligne d'arrivée. Nouveau train, Norris Ranch, Kingman. Roule. Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut en bière? Pour l'instant, ça va. Il leur faudrait du sucre, des fruits, des légumes, du sucre. Fruits et légumes, c'est un peu loin. Mais sur le principe, je peux. Alors. Ça m'intéresse pas trop. Sur le principe, je peux tirer depuis là. Ah, ou tirer depuis là, tout simplement. Comment je fais ça, moi? Et l'autre que j'ai à faire grandir, Gold Beach. Gold Beach, ça monte. Ils ont pas de fruits et légumes non plus. Ils ont pas de planches. Ça, c'est facile à connecter. C'est pas loin en tout cas. Facile, ça reste à confirmer. Utilisation des voies. 110%. Oh. On va pas surcharger la gare de Sachta pour l'instant. Waouh, on a tellement de monde là. On manque de sucre. On va augmenter un peu l'alimentation en sucre. Je pourrais augmenter le lait aussi d'ailleurs. Il n'y a pas grand monde qui circule sur la voie simple. Hop. Trafic perturbé. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Sans locomotive en service. Ah, c'est la première fois. Est-ce qu'il circule plein? Je suis pas certain. Je sais pas si l'entrepôt est assez alimenté pour ça. Et lait, ouais, c'est vrai que vu la distance, doit pas avoir suffisamment de flux. On va virer ce petit signal. Du coup, lui, il est pas sur la bonne voie. Est-ce que ça va le réinitialiser ou est-ce qu'il va continuer? Non. Donc on va le supprimer. On va en refaire un. Non, 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 non. Là. Et on va en mettre trois tout de suite. C'est pas forcément très malin de les mettre à la suite, mais j'ai un peu la flemme d'attendre pour pouvoir les mettre après. Ils ont chacun leur ligne au moins, ça c'est pas mal. Ah lui il circule pas plein du tout. J'en ai mis deux, c'est ça. Bon allez, on l'achète. Juste pour le principe, j'en ai mis trois. Ah. Malgré l'usine de fromage, il sature en lait. Tant mieux, c'est-à-dire qu'il pourra amener du fromage un peu partout. Donc c'est Kingman sur lequel j'ai plus de demandes, insatisfaites pour l'instant. Là on est bon pour l'instant. Ce serait pas mal que j'arrive à les connecter à cet entrepôt-là. Sachant qu'ils y sont déjà à 104, 130, 33. Wow. C'est chargé quand même. Donc ici ils transportent déjà tant de bière que possible. Hop, j'ai cliqué sur un signal. C'était pas voulu. De la viande. Il y en a un qui transporte du blé. Donc, Body Kingman, on va en mettre un de plus.
Ah, j'ai une voix que tu disais à zéro. J'ai pas beaucoup regardé dans cette partie. Non, ça m'intéresse pas, elle est moins bonne que lui. Plus expérimentée aussi. Toc. Ah, je vais prendre l'alimentaire. Bon, je prendrai plus tard. Ce que je tenterais bien de faire, c'est de raccorder ça et ça. Ça va être dur, hein. Surtout qu'il faut qu'il puisse arriver sur les deux lignes. Ça va être vraiment dur. Ou alors sinon on va piquer ces deux-là. Et on passe au-dessus ici, et on va se raccorder là par exemple. Ça m'a l'air pas mal. Plus facile. On va voir si c'est pas trop dur à faire. Alors, je pourrais même mettre une hangar. On va rester sur chacun a sa voie de sortie. Agrandir la gare. Agrandir la gare de ce côté-là. Construire voie. J'ai commencé quelque part. Ok. Hop. Ensuite, c'est pareil de ce côté-là, il faut que je me raccorde différemment. Tour d'assemblage, tour d'assemblage. Voilà. Voilà. Le suivant. On pourrait le faire arriver là sinon. Sachant que c'est déjà un peu chargé. Je sais pas quels sont les volets lignes les plus chargés. 14. Il y en a 14. On va se mettre sur celle-là. Alors. Ok. Si ça prendrait un grand tunnel. Si on peut l'éviter, je préfère. Et là. Un peu de pont, c'est normal. Ok, je suis satisfait de cette ligne là. On va tout de suite la faire double. Pour chaque province, Los Angeles, on dirait qu'ils sont assez proches pour pas avoir que j'ai besoin de doubler la voie. Et ensuite, il suffit. Ah, il suffit, sauf que je suis pas sûr de pouvoir passer par là. Si ça passe, en zigzagant un poil. Et ensuite, les signaux, très important. On circule dans ce sens-là. On circule dans ce sens-là. On ajoute des signaux tout le long de la voie. Ici, on n'est pas prioritaire, on cède le passage. Je peux pas mettre pareil. On s'arrête là également. Ok. On est bon. Ensuite, un train. Joshua ferme. Kingman. Et un autre. Stark Province. Kingman. Je vais attendre un peu et après je les doublerai. Pourquoi Stark Province Los Angeles, il est parti par là?
Et il n'a pas utilisé. Je pense qu'il fait des bêtises. On va le remettre. Ça nous évitera des soucis. C'est ça. Mauvais état. Ah. On va faire un bâtiment de maintenance. C'est vrai que j'ai pas mis de bâtiment de maintenance systématiquement. Non, là il était déjà dans les villes où j'ai mis une deuxième gare. Eux, ils ont leurs légumes, c'est vrai. Ça doit aider. Ils ont pas d'alcool, ils ont pas de planches. Ce serait pas mal d'arriver à les connecter en planche à Shasta. À Shasta. Shasta, oui, c'est ça. J'ai dû le prononcer mal toute la vidéo, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Ah, on a des soucis d'approvisionnement en blé. Faut dire, j'ai toujours un seul type sur la ligne. C'est plus très cohérent avec la taille de la ville. Voilà, on va doubler une bonne section sans trop se casser la tête. Je pense que juste deux trains, ça fera l'affaire. Là, lui, il arrive dans le bon sens ou pas dans le bon sens? Il arrive dans le bon sens. Panne, mauvais état. Eh bien, on va faire les bâtiments de maintenance, c'est gratuit. J'en fais plein un peu partout. Puis voilà. Ok, on est pas mal. J'ai une liaison San Francisco Gold Beach. Donc, théoriquement, il pourrait transporter du fromage. Ils ne le font pas, probablement parce que toute la demande en fromage est utilisée. Alors maintenant que j'ai plus de monde sur la ligne de lait, j'ai plus de fromage qui arrive. Ça, c'est bien. Et que j'ai découpé cette partie-là. Plein de lait, en attente, en attente. Ah, ils peuvent se garer l'un là. L'un là et l'un là. C'est pas mal, comme ils sont tout petits. Sauf qu'il y en a un autre qui squatte leur ligne. Oh lolo lolo. La big bêtise. Je les ai mis sur la même ligne. Sur la même ligne de sortie, pas très bon ça. Donc du coup j'étais à 156 alors que celle-là elle est vraiment pas chargée. Ce sera mieux comme ça déjà. Alors matériaux fonctionnels manquants. En effet j'ai oublié. Je dois pas en avoir mis là non plus d'ailleurs. Alors Kingman. Ils sont alimentés suffisamment en lait. Et en fruits. Et en sucre. Et du coup la ville grandit. En blé, c'est léger, parce que le train de blé va arriver d'ici peu. J'ai pas l'impression. On va en mettre un de plus. Il est en train d'arriver, mais c'est quand même un peu léger. Matériaux fonctionnels manquants, je m'en doutais. On va leur mettre une deuxième tour ici. Ils auront plus d'excuses pour râler. J'ai 19 millions, je pourrais racheter toutes les entreprises un peu partout. D'ailleurs, il est bien achalandé. Et le fabricant de tissu. Pour l'instant, ça suit. Mais on pourrait monter encore la cadence.
Je pense que dans l'entrepôt, on a ce qu'il faut. C'est vraiment un souci sur cette ligne-là, qui est déjà très chargée. On peut tenter d'en mettre un de plus. Je sais pas si ça sera utile ou pas. Bref. En tout cas, ça roule. Gold Beach, ça ne monte plus. Fromage, alcool, ils sont pas alimentés. Planche non plus. Pas de mauvais état. Où ça? À Yuma. Vous faites un bâtiment de maintenance. À Yuma, ils font des planches. Est-ce que leurs planches sont acheminées? Ouais, par lui. Yuma, Los Angeles, priorité sur les planches, c'est très bien. Ici, ça grandit. On va leur mettre un musée pour augmenter la satisfaction. Ça va être d'autant plus facile de les faire monter. Gold Beach, ils ont. Vraiment? Ah, je savais pas qu'il y avait un entrepôt d'extraction d'or à Gold Beach. Ce qui fait que vers San Francisco, on transporte de l'or. Ah! On a piqué tout ce qu'on pouvait à l'entrepôt. Eh bien. Est-ce qu'on a besoin de maïs? C'est au début 10, un peu. 12, non, pas trop. Est-ce qu'on a besoin de sucre? 11. 5. Le truc, c'est que là, il y a le truc d'alcool. Donc. Non, on va pas l'acheter. Je m'en servirai pas. Il y a la fabrique d'alcool qui pourrait encore monter d'ailleurs. Et pour ça, il faut un gros débit de sucre. On a du coton qui circule de ce côté-là. On va en mettre plus. Ils ont un tailleur, ouais. Et il manque de coton. Ça tombe bien là. Brasserie, c'est à moi. On va la grandir. On va la grandir pas mal, la brasserie. Ils sont juste à côté du blé. Autant en profiter un maximum. Bonus de connexion. Oh, ça rapporte beaucoup. Ouais, mais j'ai absolument pas besoin de sous, mais bon. Alors, j'ai des légumes là-haut, mais j'en ai là aussi. Ça devrait aller. Je crois qu'en légumes, ils ont ce qu'il faut. Légumes et sucre, ouais. Faut que ça monte encore un poil. Sur cette ligne-là, j'aimerais. Est-ce qu'en viande, ils sont satisfaits? Ouais, moyennement. J'aimerais que toi en particulier. Tu prennes un maximum de fromage. Ça, avec un peu de chance, on va arriver à tirer du fromage. Mais j'en suis pas certain du tout. On manque de lait. Combien de gens on a sur cette ligne? Un de plus. On n'a pas de stock à l'entrepôt, donc eux, ils font tout ce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ils transportent un peu de vide. Cette voie 80, 22, 56, 80, 101. Wow. Ah, c'est pas la même au milieu. Ah, je devais être là. Je vois. 56, mais il considère que c'est dans les deux sens, et du coup 102 ici, je pense. Toc, toc, toc.
Les marchandises vont rapporter plus. Qu'est-ce qui me rapporte gros? Les marchandises, les passagers rapportent beaucoup et l'industrie. J'en ai racheté tellement qu'à force, ça finit par me rapporter. On va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve bientôt pour le prochain, qui je l'espère sera le dernier.